Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, Monsieur les représentants du Haut Conseil territorial, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, chers invités, Madame, Messieurs, je voudrais, avant de commencer mon exposé, exprimer ma joie et mes remerciements à l'association Ahbab qui a pu examiner et reconnaître les problèmes de collaboration et d'interaction entre ces trois pouvoirs et surtout d'avoir pensé à moi pour présenter cette conférence. Je sais que dans notre pays, il y a des cadres et des professeurs beaucoup plus qualifiés pour présenter ce thème. Peut-être c'est par amour qu'ils m'ont confié ce thème assez important. Je vais profiter pour saluer mes amis que m'offre l'occasion de voir aujourd'hui. Je veux dire, j'ai déjà parlé de mon ami Abdelaziz Kébé, mais je vois devant moi mes amis d'enfance, Mamadou Ndiaye Dia de Demet. Il y a mon grand frère Mamoudou Dia qui est à ma gauche. Je vois Abdul Malik Diallo. Je vois ministre Amadou Nian et d'autres et d'autres. Donc ça me fait une grande satisfaction. Nous allons donc commencer notre conférence. Et je vais m'excuser tout d'abord s'il y a des coquilles. J'ai relu la conférence, mais souvent il y a des coquilles. Et j'espère que les gens, en suivant ma lecture, pourront donc corriger ces coquilles, ces fautes. Et nous allons commencer par dire que les relations entre les pouvoirs temporaires, religieux et traditionnels ont toujours été une préoccupation majeure des sociétés, car ils embrassent chacun un domaine vital des individus de cette société. Leur interdépendance fait qu'une société qui veut vivre en paix et atteindre un développement durable doit nécessairement trouver un équilibre entre eux. Le développement durable étant une conception du développement axée sur un processus qui impose que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins du moment sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins propres. Ainsi, le développement durable est à l'intersection de trois domaines ou piliers à concilier, à savoir l'économie et l'environnement dans la préservation des écosystèmes écologiques à travers la biodiversité, le social à travers l'éducation et la santé, la préservation des patrimoines immatériels et culturels dans le respect des us et coutumes, l'éradication des inégalités sociales, particulièrement dans l'inclusion sociale, entre autres. Cependant, ce qui est intéressant de souligner, c'est que tous les trois pouvoirs n'ont pas une même inspiration. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé utile de redéfinir ce qu'on entend par ces pouvoirs avant d'entrer dans la problématique de la dynamique de leur interaction. Le pouvoir temporel, incarné par l'État, il peut être institutionnellement considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général et, avec une nuance éthique, le bien public ou le bien commun. Par cette définition, le pouvoir ne peut s'exercer que dans le cadre de groupes humains. C'est la définition de Hubert Ouédraogo dans « Monde en développement » 2006. Le pouvoir traditionnel est un pouvoir légitimé par la croyance que l'ordre établi de manière immémoriale dans des traditions et est sacré en lui-même.
que cela suffit à justifier par conséquent ceux qui ont reçu l'autorité. Selon les mêmes traditions, ont le droit de l'exercer autrement dit. C'est un pouvoir légitimé non seulement dans leur immersion dans le moyen lieu et les réalités sociales et culturelles locales, mais aussi dans le fondement ancestral dont ils se réclament, comme l'a dit Halpoukdou. Tout pouvoir traditionnel est dénué de sens et de réalité sans l'investiture des ancêtres, c'est-à-dire dans la dimension sacrée et mythique attribuée au pouvoir. Le pouvoir religieux fait référence à un dieu. Selon la conception théologique de cette religion ou cette croyance, c'est cette représentation qui définit la relation qui doit exister entre ce dieu et l'individu. L'essence de la religion est individuelle, c'est-à-dire que la réalité religieuse s'établit directement entre l'individu et Dieu. Dans le cadre de cette conférence, loin des définitions théoriques, le pouvoir religieux qui nous intéresse est la religion musulmane incarnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ben Abdallah. À ce titre, il est investi des pouvoirs militaires et spirituels des musulmans. Son majesté religieuse s'accompagne également d'un pouvoir absolu et de sa légitimité à mener des conquêtes militaires au nom de l'islam, à l'image de ce que Dieu a dit dans son saint livre. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'al fiha man yufsid fiha wa yasiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu al-baqara ayat 30. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais désigner un lieutenant sur la terre, ils dirent, vas-tu en désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous, par ta louange, chantons pureté et proclamons ta sainteté. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et dans un autre sourate, le Très-Haut a dit, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. C'est un autre verset toujours qui assoit l'autorité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset dit, ô David, nous t'avons désigné lieutenant sur la terre, juge donc en droit parmi les gens et ne sois pas la passion, et ne suis pas la passion où elle t'égarera du chantier de Dieu. Oui, à ceux qui s'égarent du chantier de Dieu, on dure châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. C'est ainsi que les califes qui représentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont chargés d'assurer la continuité jusqu'au jour dernier. Sans entrer dans les divergences entre les exégètes, on peut dire que ces deux versets parlent d'Adam et Daoud et ces compétences sont transmises à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui les transmet à son tour au calife et sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Après avoir sommairement défini ses pouvoirs, la question qu'on est en droit de se poser est de savoir comment ces trois pouvoirs doivent interagir et quelle dynamique ils doivent avoir exercé pour que notre nation se développe. L'objet de cette communication sera donc de faire immersion dans notre passé et mettre en lumière les pratiques et enseignements de nos guides religieux et spirituels, tels que les animateurs de la révolution Torodo de 1776 et à leur tête Tcherno Souleymane Ball, au vénérable Cheikh Umrul Fouti Tall, à son petit-fils Tcherno Saïd Nourou Tall et à son calife Tcherno Muntaka Ahmed Tall pour parler du Fouta Toro, sans oublier nos autres guides vénérés et respectés des autres régions du Sénégal. Ils sont nombreux, nos califes, qui ont façonné la mémoire collective des musulmans du Sénégal.
Mais les circonstances et le temps ne nous permettent pas de nous étendre dans tout le pays. On se contentera de nous focaliser sur le Fouta-Toro, espérant que des chercheurs plus habilités s'occuperont de cette question dans les autres régions du pays. Nous tenterons de voir dans quelle mesure ces enseignements et pratiques peuvent être utilisés comme un modèle capable de faire face aux divers défis du présent et du futur prévisibles pour faire émerger notre pays et conduire au bonheur de la nation. Avant d'aborder la nature des pouvoirs temporaires, religieux et traditionnels, nous aurons besoin de faire l'état des lieux des pouvoirs traditionnels des royaumes et empires dans l'espace sénégalo-mauritanien et sénégambien avant la colonisation et comment ces espaces ont été traversés par le pouvoir colonial. Sébastien D'Angelo, dans son livre intitulé « Politique et marabout au Sénégal 1854-2012 », nous peint un tableau intéressant à ce sujet. Il nous dit ceci. La zone sénégalo-mauritanienne a vu se succéder des différents empires et royaumes dont la taille s'est progressivement réduite. C'est sur la base territoriale de ces deux empires que la République du Sénégal a vu le jour en 1960. Les royaumes Wolof du Toro et du Sine Saloum partageaient certaines caractéristiques communes comme le mode d'organisation de la vie politique et hiérarchisation sociale, mais ils conservaient leur particularité qu'ils s'exprimaient notamment à travers la question religieuse. On peut en prendre par exemple le Fouta-Toro, qui a connu des chefs politiques non musulmans ou même réticents à l'islam. Il n'en reste pas moyen que l'islam était très répandu et que le Fouta a vu se développer en son sein une théocratie musulmane entre le 18e et le 19e siècle. La propagation de la foi musulmane a été plus lente dans le territoire wolof, où les réformateurs de l'islam se sont opposés à une classe dirigeante qui est restée longtemps animiste, voire anti-musulmane. L'islam s'est également diffusé dans le Sine Saloum et la Casamance, mais ces deux régions ont conservé d'importantes communautés animistes et sont également devenues les principaux foyers chrétiens du Sénégal. En conséquence de cela, si l'islam reste la religion la plus répandue du pays, les pratiques religieuses varient en fonction des différentes régions. La République du Sénégal doit donc se concevoir dans une diversité ethnique et religieuse et non pas comme une république monolithique qui se serait construite autour d'un modèle islamo-wolof. À l'heure de l'aventure coloniale, l'administration française a exploité l'instabilité sociale qui régnait au Sénégal en s'alliant soit avec l'aristocratie, soit avec les forces maroboutiques, et ce, afin de faire aboutir son projet colonial. C'est exactement la réussite de ce projet colonial qui a conduit les espaces sénégalo-mauritaniens et gambiens dans d'interminables bouleversements à la suite desquels les conflits entre les pouvoirs se sont exacerbés. En prenant l'exemple du Fouta-Toro, voyons comment le mouvement Torodo, appelé aussi Révolution Torodo, a renversé le pouvoir dynastique des Sadigui de Koli Tengela. Cheikh Souleymane Ball et Almami Abdul Qadri Kane. Donc c'est ces deux qui sont venus renverser après le renversement du pouvoir des Niankis. Dès la fin du XVIe siècle déjà, nous dit Feu Oumar Kane dans son livre « La première hégémonie Peul », les marabouts soninkés du Gadjaga s'étaient organisés autour de Gunjuru et Draman en une république théocratique pratiquement indépendante des Tunka. Le Bundu est décrit par Charpentier comme une république composée de trois États, marabouts, nobles et artisans. Le premier est le marabout dont le plus grand passe pour roi. Il ne fait rien qu'il n'ait assemblé les trois États pour tenir conseil et n'agit que par délibération. Cette république du Bundu s'est formée à la suite d'une guerre de sécession, c'est pas succession de sécession, aux dépens du pouvoir du Fouta. Ayant été taxés d'impôts extraordinaires, ils en secouèrent le joug et s'érigèrent en république. Dans le même ouvrage, le professeur Oumar Kane avance ceci. Les révolutionnaires de 1776 sont des idéologues qui se situent dans la droite ligne d'Ibn Yassin, d'Al-Hadrami, d'Al-Marili et de Nasreddin.
Il est intéressant de faire un rapprochement entre les tandems Al-Hadrami Abu Bakr Ibn Umar, Al-Maghili Askia Mohamed et Tcherno Suleiman Bal Al-Mami Abdul Qadri Khan. Il est curieux de remarquer à un siècle de distance que Suleiman Bal développe devant Sadiq Souley Ndiaye les mêmes thèmes que développe Nasreddin devant les rois de Sénégambiens au XVIIe siècle. Tous les contes disciples de Pir étaient d'accord sur la nécessité d'un changement de régime au Fouta Toro. Ils sont nombreux et nous en citons quelques-uns. Tcherno Suleiman Bal de Bodé, Abdul Qadri Khan de Kobilo, Bayla Peredjoso de Haouré, Eliman Boubacar Khan de Dimat, Tafsir Jabir de Djanium, Alpha Amar Seydi Yerobusso de Oréfondé, Tafsir Ahmad Hamadouane de Kanil, Tcherno Abdourahmane Sall di Tenante Djangobe de Djandjoli, Tcherno Abdul Karim Diawande de Sen Palil, Alpha Amadou Nia di Eliman Lewa de Soringo, Tcherno Youssouf Lam de Djarangel, Tcherno Molle Mamadou Li de Chilogne et certainement d'autres que nous n'avons pas énumérés ici. Pour eux, le pouvoir d'Eniyanké ne correspond plus à la réalité sociale et religieuse du pays et que d'Eniyanké et Koliabé ne sont musulmans que de nom, car leur pratique religieuse laisse à désirer. Leur islam est entaché de pratiques païennes. Une réforme profonde s'impose en matière religieuse et en matière politique. Les condis de Pible sont également préoccupés par la situation politique du Fouta, caractérisée par une grande dépendance à l'égard des Maures qui l'exploitent comme une terre de pain. Les Deniyankobé se complaisent dans cette situation sans réagir. Là aussi, un changement s'impose. L'émancipation du Fouta islamisé de la tutelle des Maures. Ce parti Torodo tente et réussit à faire adhérer à sa cause les éléments islamisés des Foulbé et des Sebbé, faisant des concessions à la coutume et à la tradition en matière de justice, à condition qu'elle n'aille pas à l'encontre de l'esprit du Coran et des principes fondamentaux de l'islam. L'abolition de Moudohorma. Tcherno Suleiman Bal se rend à Ndiafane où devait être concentré le Moudo Orma du Bosséa et s'adressa en ces termes au plénipotentiaire de Mohamed Oul de Heiba venu recueillir le tribut. Vous n'avez aucune qualité pour percevoir la dîme qui est destinée aux démunis, aux combattants du djihad, aux nouveaux convertis à l'islam, à celui qui rassemble la zakat, aux voyageurs qui n'ont pas les moyens de rentrer chez eux, à l'endetté insolvable, au rachat des musulmans asservis. Il fait ainsi allusion au verset qui dit « Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum » وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc il fait référence à ce verset. En plus de la proclamation de la déchéance du régime d'Eniyanké, l'Assemblée des CRNB énonce un certain nombre de principes qui doivent guider l'action administrative. Égalité de tous devant la justice. Les chefs de province et de village assistés de Kadi continueront les affaires locales à condition de se conformer aux prescriptions islamiques. Les conflits entre collectivités voisines sont soumis à l'arbitrage de l'almami qui prononce le jugement ou indique la marche à suivre pour régler le différend. Tout individu a droit de faire appel auprès de l'almami s'il se sent lésé par un chef ou par un jugement. L'impôt ou le produit des amendes et tous les revenus de l'État, Baitul Mal, doivent être utilisés à des actions d'intérêt général. L'almami responsable de la défense peut requérir les services de tous les hommes valides à cette fin. Protection des faibles, orphelins, femmes, enfants et vieillards. C'est Oumar Khan qui cite cela dans son ouvrage. Pour savourer leur victoire après avoir mis les Maures en route, en déroute, les partisans de Tcherno Suleiman Bal, pendant qu'ils dormaient, abandonnèrent leur poste et passèrent sur les tentes où ils violèrent les femmes. Les Maures qui s'étaient embusqués non loin du campement revinrent sur leurs pas.
Ils massacrèrent un grand nombre de Foutanki. Suleiman Ball meurt dans ces circonstances à l'âge de 56 ans. Il est enterré à Fori Maoundé ou Djeriel Toumbéré, auprès du Babab de Samba Geladjo Djegi, cité donc par Oumar Kane. Al-Mami Abdul Qadri, 1807, donc le régime forgé par les efforts inlassables d'Al-Mami Abdul adopte les prescriptions islamiques comme fondement de sa politique intérieure et extérieure. En contrepartie de son engagement d'exercer les fonctions, il fit accepter au Conseil les exigences suivantes. 1. Ne jamais accepter que les Maures foulent le sol du Fouta sauf pour acheter du mil et sur autorisation de l'Allemagne de façon générale. Tout étranger ne peut entrer dans le Fouta sans avoir demandé et reçu l'autorisation du chef du pays. Ne jamais plus accepter que le Bambara viole le pays. Il sera soumis aux mêmes conditions que le Maure, le Barak du Wallo, le Damel du Kadior et le Bourba du Djolof seront mis dans les mêmes conditions que le Maure et le Bambara. 2. Reconnaître et défendre les limites du Fouta. Tous les anciens titres Tierno, Ardo, Diom, Diagraf, Boumoui, Farba, Elfeki, Eliman, dignités et prérogatives antérieures au régime seront conservées à condition que les titulaires se convertissent à l'islam et conforment leur vie aux préceptes du Coran, à condition aussi qu'ils n'entreprennent rien sans prendre son attache. Tous ceux qui refusent ces conditions sont libres de quitter le pays avec leur famille, mais en y laissant leurs biens. 4. La justice sera rendue dorénavant selon les livres et les hadiths. 5. Égalité de tous les hommes devant la justice. 6. Toute personne condamnée pour non-respect de la loi et de la justice peut quitter le Fouta mais perd ses biens. 7. Toutes les fois que l'Allemagne lève une armée pour faire le djihad, l'obéissance aveugle est de rigueur. 8. Pour assurer la relève de l'ancien régime, tout village doit choisir deux responsables, l'un d'eux pour diriger la prière, c'est-à-dire l'imam, et l'autre pour rendre la justice selon le Coran, c'est-à-dire le Qadi. Chacun d'eux se choisira en suppléant. Le chef du village est nommé par l'Allemagne. 9. Une fois le choix fait, l'imam et le juge assurent leur charge au nom de l'Allemagne et tous les habitants leur doivent à ce titre respect et obéissance. 10. Toute dîme levée sur les récoltes et sur les troupeaux du Fouta est destinée aux pauvres du Fouta. Elle ne doit donc en aucun cas sortir du Fouta. Ce sont là les conditions qui furent acceptées par l'Assemblée du Fouta, qui de son côté demanda à l'Almami de consulter les Diagordés sur les problèmes vitaux du pays. Nous avons cité ici Oumar Kane. Les Diagordés en question sont Ali Doundou, Eliman Siré, Samba Yéné, Boumou Ndouyerbe, Eliman Rindiaou, Ardo Samba Dédé, Demba Naïl, c'est Molien qui nous cite ces Diagordés. Du temps de Al-Mami Abdul, les Diagordés étaient au nombre de 5, dont 3 Foulbé, Pati Bungu Ba de Bungu Tchioukon, Pere de Asne Balla, Yéné Samba Ba de Bungu Tchioukon, et Ali Sidi Ba de Mbol Ali, et 2 Torodbe Ali Doundou Ségélé Kane de Dabia Odeji, et Amar Bela Racine An de Pété. Mais Cheikh Moussa Kamara cite Ali Sidi, Ali Doundou, Sile Amar, Sadio Doundou, Sawa Dewa Nayel, Sawa Yéné, Galo Lumbal, Hamadi Ilo. Pour bon nombre de Torobé, le règne trop long d'Al-Mami Abdul a enlevé tout espoir de s'asseoir sur le tapis Al-Mamal. Quant aux Diagordés, ils jugent trop puritain et trop rigoureux le régime d'Al-Mami Abdul. Ils reprochent à celui-ci de n'avoir aucune considération pour leur rang et de réduire leur prestige et leur crédit dans leurs zones d'influence respectives en permettant au menu peuple de faire directement appel à son tribunal. Al-Mami Abdul exerce une véritable hégémonie sur l'ensemble de la Sénégambie avant de tomber le 4 avril 1807 sur l'action conjuguée de l'opposition intérieure et des ennemis de l'extérieur.
La chute d'Al-Mami Abdul Qadir Khan et l'échec de l'Al-Mami au Fouta Toro, de l'Al-Mamia au Fouta Toro nous oblige de parler du génie de son siècle, El Hadji Omar El Fouti Tall, 1797-1864. Beaucoup de recherches et de publications ont été réalisées au sujet de la personne du Cheikh Omar El Fouti Tall, mais elle demeure énigmatique et mythique jusqu'à nos jours. Chaque chercheur, selon l'orientation de sa recherche, lui attribue un qualificatif. Les uns ont dit de lui qu'il était un marabout conquérant, d'autres un théologien, d'autres un saint, d'autres un nationaliste, d'autres un soufi, etc. En tout état de cause, ces différents qualificatifs font de lui un homme multidimensionnel et un acteur inégalé de la vie religieuse et politique en Afrique. Écoutons ce que dit Maj à propos de ce saint homme. Al-Hadji Omar quitta le Fouta Diallon et se dirigea d'abord vers le Rio Grande et la Gambie, puis le Sine Saloum, le Baol, le Kayor, où il ne s'arrêta pas mais où il reçut quelques présents, puis le Wallo. À Donaï, en 1846, il disait alors vouloir pacifier le Sénégal, établir l'harmonie entre les races et assurer la sécurité du commerce. Monsieur Kaye l'approuva et lui aurait donné quelques présents. C'est Fernand Dumont qui nous cite donc ce passage avec les Archives nationales. Fernand Dumont, dans l'Anti-Sultan, ouvrira une nouvelle approche pour comprendre la pensée du Cheikh El Hadji Omar Fouti Tall. Il dit ceci: la synthèse de la pensée religieuse du combattant de la foi révèle que El Hadji Omar fut avant tout un savant théologien, un propagateur de la foi, un adepte et un revivificateur de la voie mystique et militante de l'imam Ahmed Tijani. C'est Ferdinand Dino toujours qui le cite. Il fut amené par des faits à rejeter l'image trop facile du conquérant Peul, fondateur d'empire temporel. C'est ce que les Européens nous ont fait malheureusement hériter. Et ce n'est pas la vraie image, et nous allons essayer de vous montrer la vraie image de Cheikh Omar El Fouti Tall. Donc, fondateur d'Empire Templier tel que l'ont établi Paul Marty à l'aube du XXe siècle, ou Federbe et ses officiers à la fin du XIXe siècle, et tel que le reprise bien souvent des auditeurs contemporains. L'étude exhaustive des faits et les écrits fournit aujourd'hui une interprétation nouvelle et enrichissante de la vie et de l'action de celui qui ne voulait être, ne fut réellement que le défenseur et le propagateur de l'islam en Afrique occidentale. Dans Anonyme de Fès, Jules Salenc disait: « Al-Hadji Omar fit un océan de sciences théologiques. Il combattit pour Allah comme il convient que l'on combatte pour lui. Il a été l'un des califes du prophète à la tête de son propre peuple. » Pour quiconque voudrait comprendre la pensée du Cheikh Al-Hadji Omar, il lui faut, selon Ferdinand Dumont, faire recours à ses écrits qui dégagent avec authenticité sa pensée religieuse et philosophique. Cheikh Omar El Fouti Tall a écrit beaucoup d'ouvrages, et voici ce qu'on trouve dans l'Anonyme de Fès, dans l'Anti-Sultan, page 89. Cheikh Omar El Fouti a écrit à Rima les Lances, titre abrégé. Il a écrit Kitab al-Suyuf, le livre des épées, ouvrage traitant comme le premier de la voie Tidjani. Il a écrit Kitab al-Safina de Sa'ada, li ahli du'uf, le livre de la nef du bonheur pour les hommes faibles et pour les courageux, en poème. Il a écrit Kitab al-Nusr al-Mubin, le livre des conseils éclairés. Il a écrit Kitab al-Maqasid al-Saniya, le livre des dessins sublimes. Cheikh Omar El Fouti Tall a écrit Kitab al-Tazkiratul Ghafilin, rappel aux négligents. Cheikh Omar El Fouti a écrit Kitab al-Tazkiratul Mustarshidin, rappel à ceux qui sont dans la bonne voie. Cheikh Omar El Fouti Tall a écrit Kitab al-Falah al-Talibin, le bonheur des postulants. Il a écrit Taqyid fi Khawas Hizb al-Sayfi, opuscule sur les vertus du Hizb al-Sayfi. Il a écrit Ajwiba fi Tariq al-Tijaniya, réponse relative à la voie Tijaniya. Certainement, il a écrit d'autres livres malheureusement que nous n'avons pas pu voir. Et ce qui est bizarre dans tout ce que nous avons dit, vous n'allez jamais voir
Cheikh El Hadj Omar développait la philosophie de la violence. Et on ne peut connaître une personne en réalité que parmi ses écrits. Donc aujourd'hui, nous, nous refutons ceux qui prétendent que El Hadj Omar a fait la djihad parce qu'il a voulu étendre les royaumes. Non, pas du tout. Sa pensée ne reflète pas ça. Et ceux qui ont des arguments contraires peuvent nous le montrer. Ils ne peuvent pas le trouver. Parce que tous les livres que Cheikh Omar El-Fouti a écrits appellent à la droiture, appellent à la propagation de l'islam, appellent à la paix, appellent au savoir et appellent à la mystique. Donc si par exemple nous voyons les autres venir taxer Cheikh Omar de conquérant, c'est parce que certainement nous, Africains, en particulier nous les Noirs, et en très particulier nous les ressortissants du Fouta Toro, qui pouvions trouver notre identité en Cheikh Omar El-Fouti, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication. C'est-à-dire que si nous ne luttons pas pour essayer de rétablir la vérité, eh bien, on a tort. Parce que Cheikh Omar n'a été autre chose qu'un combattant de la foi, en réalité. En puisant dans les profondeurs de sa pensée, on comprend aisément que le Cheikh El Hadj Omar n'a jamais eu des ambitions pour obtenir des privilèges dans ce monde si bas. Au contraire, toutes ses idées dans ses ouvrages renvoient à l'adoration, à la matérialisation de sa mission religieuse et à ses relations avec le Seigneur par la foi. Il a voulu faire de l'Afrique occidentale une terre où règne la foi islamique, l'harmonie, la paix et la sécurité. Hélas, c'est ce que les pouvoirs traditionnels et coloniaux ne l'ont pas permis de réaliser. On va voir au second point l'évolution des relations entre les guides religieux et l'administration coloniale. Nous empruntons l'expression de Sébastien d'Angelo pour appeler cette période processus d'accommodation entre les marabouts et l'administration coloniale. À la fin du XXe siècle, la conquête territoriale du Sénégal était achevée et les réformateurs musulmans étaient pratiquement tous vaincus. L'heure était donc venue pour l'administration coloniale d'organiser un territoire pacifié et sécurisé. Cependant, le manque de légitimité des dirigeants français auprès des populations les a conduits à repenser leur politique coloniale. Le climat de tension qui a prévalu entre les pouvoirs temporaires religieux et traditionnels depuis les Déniens Kobe, les rois du Djolof, du Sine, du Saloum, du Walo, du Baoul, du Boundou, du Gadjaga, à Serne Tchouleymane Bal et à Almami Abdoul Kadri Khan et El Hadj Omar Tall n'aura que changé de nature, mais n'a pas disparu comme on le pense, car ces pouvoirs sont dialectiquement liés. Néanmoins, un équilibre peut être retrouvé de temps en temps. C'est ce que nous allons tenter de voir avec ce que Youssouf Zaïdane, dans son ouvrage « Allahoud al-Arabi wa usulul unf » a écrit, les pouvoirs étant naturellement liés par des interactions forment des rouages qui fonctionnent suivant un mécanisme dialectique. Les relations entre les pouvoirs temporaires religieux et traditionnels peuvent être comparées d'une façon schématique aux saisons de l'année. Les quatre saisons de l'année comptent deux solstices et deux équinoxes. Quand le soleil est début de bélier, pendant le printemps, on constate l'avènement de l'équinoxe du printemps. Le jour et la nuit sont d'égale durée. Quand le soleil atteint le cancer, le solstice d'été est arrivé et le jour commence à devenir court. Lorsque le soleil est au niveau de balance, l'équinoxe d'automne fait surface pendant lequel il y a encore égalité de durée entre le jour et la nuit. Quand le soleil atteint Capricorne, novembre-décembre, arrive le solstice d'hiver pendant lequel le jour commence à être progressivement plus long et on revient à l'équinoxe du printemps. Il atteint ses hautes limites à l'avènement du solstice d'été. Nous constatons ainsi deux solstices été-hiver et deux équinoxes printemps-automne. La religion et la politique ont chacune deux orbites qui tournent autour de leur axe. L'axe de la politique, c'est le pouvoir, que ce soit une personne, un empereur, un roi, un président, que le pouvoir soit entre les mains d'une communauté démocratique.
oligarchiques, etc. L'orbite du pouvoir religieux est Dieu. Selon la représentation théologique que l'on se fait de cette religion ou de ce dogme, c'est la représentation qui régit la nature de la relation entre les individus. La première nature de la religion, c'est qu'elle ne peut s'exercer en dehors de la société humaine, tandis que la nature essentielle de la religion est individuelle, c'est-à-dire que la foi s'établit entre l'individu et Dieu. Il y a ainsi une imbrication entre les pouvoirs politiques et religieux et une intersection entre les deux de l'axe central. Le pouvoir politique ne peut pas réguler la société sans passer par l'individu et pareillement, il est impossible pour un individu de fonder sa vérité religieuse particulière sans se référer au sacré qui prendra sa source dans une société. La société est sa nature première. Dans la plupart du cas, les religions naissent subitement et elles dictent la démarche à suivre, que ce soit du vivant du prophète ou l'envoyé qui a transmis le message divin, qu'après sa mort, alors que le pouvoir politique dominant dans une société dans laquelle surgit cette religion se forme lentement dans un passé antérieur jusqu'à trouver son équilibre avant l'avènement de cette religion dans cette société. C'est ainsi que le premier solstice arrive dans le domaine du débat entre les deux pouvoirs politique et religieux, parce que la religion, en fonction de sa nature subite, ne reconnaît pas le pouvoir temporel en place et essaie de le déstabiliser pour se faire une place au soleil dans la société ou de se substituer à lui définitivement. Le choc se produit ainsi entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel ancien en place. Avec l'expansion de la religion et son incarnation en dehors de la personnalité du prophète vers la société laquelle est chargée de la réguler, et à ce niveau, la société entre dans un solstice douloureux d'hiver et la violence commence. La violence entre en jeu comme un troisième acteur dans ce solstice d'été. Elle commence à apparaître du côté du pouvoir temporel et la première génération des croyances de ce pouvoir religieux commence à résister avec courage et persévérance, ce qui force l'admiration et l'étonnement à la fois. Elle s'étonne de tout ce qui touche ce monde éphémère et nourrit son espoir sur ce qui est éternel, c'est-à-dire Dieu, le paradis, la satisfaction morale et l'estime de soi. C'est la première manifestation de la violence à laquelle les adeptes du nouveau pouvoir religieux vont faire face, venant des autorités du pouvoir politique et ce à travers divers moyens de répression. Les exemples foisonnent dans les religions. On peut citer les premiers disciples de Moïse qui ont enduré les tortures de Pharaon et l'exode était leur réponse pour lutter contre la violence. Pour les chrétiens, c'est leur séparation avec les juifs qui a conduit Jésus à rendre César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a subi ce qu'il a subi à cause de la foi. Ses disciples se dispersèrent et rédigèrent les évangiles. Quant à l'islam, les précurseurs musulmans ont enduré les tortures des infidèles. Une grosse pierre a été posée sur la poitrine de Bilal, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il répétait le slogan de l'islam « Wahid, wahid, unique, unique, ahad, ahad, unique, unique ». Ils ont empêché les premiers croyants de manger et de boire. On peut citer ainsi aussi parmi ces difficultés le refuge du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, et les tortures qu'on lui a affligées, et l'émigration vers l'Éthiopie deux fois, enfin l'Égypte vers Médine. C'est ainsi que cela se passe toujours entre les partisans d'une nouvelle religion et les autorités du régime en place. Les partisans de la nouvelle religion subissent la maltraitance des autorités temporelles, la supportent et émigrent vers d'autres localités. Dans un premier temps, cette forme de résistance paraît dérisoire, mais en réalité, elle est plus payante que la répression puisque la violence politique est limitée, alors que les premiers croyants d'une religion s'arment de patience et à leur tête l'envoyé de cette religion nouvelle. Ces nouveaux adeptes vivent cette étape avec patience, endurance, une dose d'estime de soi, une force morale, une vie avec l'espoir et une entière certitude. La vie d'ici-bas est l'objectif du pouvoir temporel, alors que le pouvoir religieux dépasse la vie d'ici-bas et intègre la vie de l'au-delà, c'est-à-dire l'éternité. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure
les jardins sous lesquels courent les ruisseaux, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi au printemps, c'est sur la page 25. قالوا هذا رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون البقرة. Donc vous voyez, les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour la politique, tout s'arrête dans ce monde ci-bas, mais si on se bat pour la foi, on espère pour la vie d'ici-bas et on espère pour la vie future. La confrontation entre ces deux pouvoirs, dans un premier temps, imprime deux choses qui laissent des séquelles graves sur l'étape suivante. La première est que la violence du pouvoir temporel sera la cause de la division de cette religion parmi les gens vertueux, les marginaux, les révoltés et les radicaux. Ce qui s'avère impossible si l'on fait usage des moyens traditionnels autorisés dans la société, tels que l'hérédité, l'appartenance tribale, proximité avec l'autorité, etc. La deuxième, c'est la satisfaction d'une courte durée qu'éprouvent les autorités croyant que les autorités religieuses ont fui le combat et qu'elles ne représentent plus un danger ni une menace. Et la violence du début des événements se calme progressivement du côté du pouvoir temporel, alors que la religion prend de plus en plus d'ampleur et de puissance dans la localité d'accueil et elle s'organise parfaitement de l'intérieur, se revêtant d'une nouvelle forme différente de celle du pouvoir temporel en place. Il suffit d'une courte durée pour que le pouvoir religieux devienne puissant et renverse l'ancien régime. Cela est vérifiable avec la révolution et la dynastie des Deniankobe, le premier équinoxe. Ce qui se passe toujours avant le retour en force d'un mouvement religieux après la fuite momentanée par l'exode, reste pendant une certaine durée avec la population et sa nouvelle force. Elle démontre encore une fois sa puissance et l'échec du pouvoir temporel en place. Cela pousse le régime en place à trouver d'autres solutions consistant à partager le pouvoir et d'autres réformes nouvelles qui, dans la plupart des cas, conviennent à la communauté religieuse, mais ces réformes sont plus nourries de valeurs spirituelles, lesquelles sont déjà requises par la communauté. Alors le pouvoir religieux devient prometteur de deux paradis, le paradis terrestre et céleste. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous lui récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions, sourate les abeilles. Donc là aussi, celui qui combat pour la religion, il a cette croyance, donc ce n'est pas les mêmes motivations. Le pouvoir religieux est alors puissant, plus profond et mieux apte à négocier et à faire des compromis avec le pouvoir temporel. Avec le temps, le pouvoir religieux devient lui-même précis. Les anciens rois juifs, les empereurs romains qui ont cru en Jésus-Christ et les nouvelles dispositions islamiques après la conquête de la Mecque, à savoir les meilleurs gens pendant la période anti-islamique sont les meilleurs pendant l'islam. Celui qui entre dans la demeure d'Abi Sufyan est en sécurité. Tout cela, c'est des signes qui annoncent la présence d'un équinoxe entre les pouvoirs temporels et religieux. C'est des indicateurs qui annoncent la création des règles de cohabitation entre eux dans un modèle social nouveau, dans lequel le temporel devient religieux et le religieux devient temporel. Le pouvoir religieux demeure religieux et le pouvoir temporel demeure temporel, mais il se rapproche de plus en plus et chacun d'eux prend les caractéristiques de l'autre. Ainsi, le pouvoir temporel contrôle les affaires religieuses organisations à caractère social, telles que la création du service de culte et son contrôle, ou le rapprochement entre les symboles religieux. En contrepartie, la religion soutient et renforce le pouvoir temporel en légitimant de plusieurs manières. Jeter des fleurs à l'autorité temporelle qui devient ainsi, pendant le premier équinoxe, comme une haute ombre de Dieu sur terre. Pendant le premier équinoxe, le pouvoir religieux devient culturel et ses manifestations apparaissent dans les différents domaines de la vie quotidienne de la communauté. L'accomplissement des rites, des pratiques deviennent des obligations communautaires admirées et glorifiées.
Le pouvoir temporel se renouvelle durant ce premier équinoxe grâce aux réformateurs pieux, pendant que la région s'enrichit de personnalités admirables et indispensables. Les érudits, les prêtres et les saints, une harmonie, une paix durable s'installe entre les deux pouvoirs. Cette situation pacifique et fructueuse règne à la fois pour la communauté et pour l'individu. Cependant, elle ne cesse de traverser des zones de turbulence qui sont souvent implicites et maîtrisables, d'autres aiguës et annonciatrices de nouvelles crises, par exemple des plaintes d'injustice politique et confirmation de cette injustice par les arguments religieux. Par exercer un contrôle sévère sur les religieux que sur les autorités du pouvoir temporel. L'exemple est vécu par le non-respect de certains juges du pouvoir temporel des principes généraux de la religion par des actes condamnés par la charia. Je veux dire que ces faits qui ont eu cours dans les trois religions abrahamiques, la lutte acharnée entre les deux royaumes juifs de Juda et Jérusalem, le mariage de Héraclius, ancien empereur byzantin, et la fille de sa sœur Martina, qu'il ne plaise à tout le monde, projet de mariage entre Henri VIII avec la veuve de son frère et l'opposition du cardinal Wolsey au nom de la religion, puis Henri VIII se proclama lui-même chef de l'Église d'Angleterre. Malgré l'opposition de Thomas More, on peut citer aussi ce que certains califs de l'islam ont fait, tels que boire de l'alcool au point que Yazid Bun Muawiya Bun Abu Sufyan fut célèbre par son comportement mondain, et le fait de boire de l'alcool publiquement et d'autres exemples de comportements condamnables perpétrés par Yazid Bun Abdul Malik Bun Marwan. Il arrive aussi que pendant l'équinoxe du printemps, qu'une autorité incarne les deux pouvoirs, il devient ainsi difficile de faire la distinction entre ce qui est religieux et ce qui est pouvoir. Cette situation ambiguë provoque des causes qui conduisent aux dérives autoritaires et l'éclatement de l'unité religieuse elle-même. On peut citer l'église sainte de Banagia d'Assinou pour les Nestoriens, les témoins de Jéhovah, les puritains dans l'islam, les kharijites, les chiites, les wahhabites, les salabites, etc. Avec ces éclatements, les choses changent et le souci d'été commence. Dans des cas d'éclatement à l'intérieur d'un pouvoir temporel dominant, la relation entre le temporel et le religieux devient complexe. Il est fréquent que le mouvement dissident s'appuie sur une interprétation spécifique du dogme originel, donc de la rupture que fait la majorité des communautés environnantes. Ces deux lectures, dans leur essence, trouvent un fond commun dans un héritage énorme provenant des efforts qui interprètent la religion d'une manière consensuelle et non radicale. Pendant ce temps, l'éclatement partiel vient avec une nouvelle lecture dérivée, radicaliste et catégorique. Et dans ce cas, la confrontation devient inévitable. La branche qui a pris son autonomie ne manque pas de conviction, de certitude religieuse et d'enthousiasme. Elle n'est armée d'un arsenal juridique issu des flancs radicaux qui éteint au départ une note musicale solo et miette dans la symphonie de l'équinoxe du printemps. Voilà que cette note singulière fait taire à son compte le reste des autres et se singularise par une chanson unique et devient une symphonie particulière avec une forte résonance chancelante. C'est en ce moment qu'entre en jeu la violence comme troisième élément dans ce rapport entre les pouvoirs temporels et religieux. Cette fois-ci, la violence devient très vive, profonde et dure, car elle est le résultat de l'explosion des deux extrémités de l'équilibre. Au nom de la religion, cette branche radicale s'oriente vers une violence double, d'abord contre la réalité politique et contre les croyances populaires en cours dans la communauté et rejette la légitimité et obéit à des lectures contraires aux siennes, en ce sens qu'elle devient sectaire, elle fait face à deux situations à la fois. Dans le but d'assurer la sécurité de la communauté, les forces politiques utilisent la violence pour mettre hors d'état de nuire la branche religieuse radicale en essuyant de l'éradiquer sans se soucier de son fondement, qui sait ses origines de cette communauté. C'est ainsi que tournent ces trois roues dans la société d'une manière hésitante, déséquilibrée, annonçant ainsi des crises perpétuelles. La roue du pouvoir temporel se dérègle à chaque fois qu'elle rencontre la nouvelle secte religieuse et prend des mesures et actes violents pour asseoir sa domination, et cela conduit à des conséquences désastreuses pour la paix sociale.
Les échos se font entendre quotidiennement chez d'autres communautés autres que celles qui sont visées. Les manifestations augmentent, les stratégies du pouvoir tempéré deviennent confuses. Quant à la roue du pouvoir religieux, elle s'enracine dans la conscience collective de la communauté, devient violente et repliée sur elle-même. La scission sociale augmente et se radicalise dans son rejet des couches sociales et des autres communautés différentes d'elle. La roue de cette violence attise le feu entre les deux pouvoirs, feu qui naît de la haine réciproque. Cette haine se manifeste en violence chez la communauté religieuse et cela débouche sur une guerre sainte vive et spontanée. Le pouvoir temporaire verra cette violence comme une sérieuse menace et prendra toutes les stratégies possibles pour garder son autorité. Et il n'est pas question pour lui de se soucier de la légitimité ni des initiatives de cette violence. Il n'ouvre aucune fenêtre de dialogue en attendant le retour de l'équilibre. Il se dit à celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Malgré possible solution qui ouvre des portes de dialogue pour une cohabitation pacifique entre les pouvoirs et une justice sociale équilibrée parmi ces solutions pour préconiser la coopération mutuelle et la sensibilisation. Entre ces trois pouvoirs, si on ne s'appuie pas sur une étude approfondie et dualiste de ce qui est religion et ce qui est pouvoir, cela ne peut être possible que par une reconnaissance réciproque de la légalité du régime politique et la réalité du pouvoir de la communauté. Il faudra renforcer cette conscience chez les individus de la communauté et la traduire dans des programmes culturels et des méthodes éducatives qui éclairent cette exigence réciproque et consacrent leur complémentarité dans l'action sociale, loin de la propagande industrielle qui prône la séparation des deux pouvoirs et loin des sons de cloche qui soutiennent que les deux pouvoirs, que toutes les religions appellent à l'amour et à la paix. L'étude que nous demandons d'être approfondie et d'être bien comprise est la reconnaissance de l'imbrication ancienne. L'interpénétration de ces deux pouvoirs est orientée chacune dans sa direction. Que le pouvoir cesse de croire que les domaines de son action et ses différentes activités du moment suffisent pour remplacer efficacement les courants absolus que réclame le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux, à son tour, doit reconnaître les limites de sa légalité, au moins dans son droit organisationnel, pour mener des actions de régulation de la société et sa coopération avec le monde extérieur dans lequel les religions, les croyances, les écoles juridiques sont différentes. Ce que le pouvoir politique est capable de faire par ses propres moyens, le pouvoir religieux n'est pas assez outillé pour le faire, et inversement, le pouvoir politique ne peut pas remplacer le pouvoir religieux. Le monde a changé et ne sera jamais ce qu'il était auparavant. Le pouvoir légal ne doit pas ignorer le pouvoir religieux qui a reconnu sa légitimité et approuvé la société nouvelle de son existence. De notre côté, le pouvoir religieux doit tendre à s'affirmer en renforçant son expérience spirituelle et non à s'éloigner continuellement du champ politique et à sous-estimer son importance en croyant que c'est la religion qui est l'unique solution et que les royaumes célestes sont devenus des propriétés des guides religieux ou que Dieu a promis et qu'il est l'heure de la manifestation de ses promesses. Il est aussi important d'avoir une compréhension approfondie des manifestations d'une religion ou d'une secte qui surgit et ne pas essayer de l'étouffer dans son berceau avec violence. L'expérience a montré que parmi ces sectes ou courants religieux, que le pouvoir politique croit faussement avoir éradiqué, une branche va toujours s'échapper en héritant des précédents courants de la violence et devient plus haineuse envers la société et les autorités du pouvoir temporel qu'elle considère comme des représentants de Satan. Il faut une compréhension mutuelle qui consiste à ce que chaque pouvoir reconnaisse l'autre et admette sa diversité. Il est intéressant de rappeler que dans le pouvoir religieux, il y a la vie et que le pouvoir temporel ne peut pas se passer de la religion. L'expérience humaine, que ce soit chez l'individu ou la communauté, est évolutive. On doit admettre la contradiction et privilégier le dialogue. L'incompréhension ne peut exister durablement s'il y a le respect mutuel, car la violence n'y aura pas de place.
Personne ne prétendra détenir la vérité absolue. Les solutions solidaires entre les pouvoirs doivent être observées. Dans tous les cas, il faut éviter la radicalisation et l'extrémisme et la rigueur aveugle dans la conception des lois et des règlements intérieurs et exécuter avec sagesse leur application. La rigueur à elle seule ne règle pas les choses, comme nous l'apprend la nature. Une pression forte et continue finit par provoquer une explosion. Le monde est devenu un seul village grâce aux réseaux sociaux et aucun pays ne peut vivre isolé. La nature des rapports entre les pouvoirs temporaires, religieux et traditionnels, comme nous l'avons montré, ont connu des fortunes diverses avec un dénominateur commun que constituent la violence et l'instabilité. Nous avons essayé de démontrer avec Youssouf Zaïdane l'effet de ces actions comparées à deux ceci et deux équinoxes. Grâce au génie de nos guides religieux tels que Cheikh Sadbou, Cheikh Sidia Baba, Cheikh Elhadji Oumar Maliksi, Cheikh Ahmed Bamba Mbake et le stratège Tcherno Saïd Nouroutal, notre pays a pu trouver une solution pacifique à la fois avec les chefs traditionnels et les chefs et les Français pour nous gratifier d'un pays qui fait aujourd'hui notre fierté. Un pays de spiritualité, de tolérance, d'hospitalité et de liberté. C'est la raison pour laquelle nous allons emprunter encore à Sébastien Dangeux des passages pour montrer comment nos guides se sont accommodés avec les colonisateurs pour éviter des troubles et des atrocités qui auraient pu conduire notre nation à la dérive. Sébastien nous dit, à la fin du 19e siècle, la conquête territoriale du Sénégal était achevée et les réformateurs musulmans étaient pratiquement tous vaincus. L'heure était donc venue pour l'administration coloniale d'organiser un territoire pacifié et sécurisé. Cependant, le manque de légitimité des dirigeants français auprès des populations les a conduits à repenser leur politique coloniale. Tout en maintenant une lourde dépendance par rapport à des chefs choisis au sein des lignages aristocratiques traditionnels, les autorités coloniales prenaient désormais en compte les communautés maroupoutiques liées au bassin Arachidié pour établir des relations stables avec. Mais celui qui s'est le plus illustré dans cette transition est sans nul doute le vénérable Tcherno Saïd Nouroutal. Grâce à son savoir, son charisme, sa générosité, son courage, sa sainteté et son désintéressement total des biens terrestres, il a pu être le porte-parole de l'Afrique pour prêcher la bonne nouvelle. Il fut l'apôtre de la paix sociale en Afrique et du Sénégal. Nous citerons quelques témoignages parmi certains écrits par les adversaires de son grand-père, Cheikh Oumar Fouti Tall eux-mêmes. On nous dit, vous avez parcouru les routes de la Guinée, prêchant partout comme le saint vénéré de l'islam, le noble principe de fraternité humaine qui est à la base de notre doctrine religieuse, et que c'est également donné pour l'idéal de la République française, puissiez-vous, de longues années encore, exercer à travers toute l'Afrique noire votre magnifique apostolat. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est à Conakry, le 8 janvier 1938, signé par TAP, gouverneur par intérim de la Guinée française. Donc ce sont eux qui ont témoigné sur notre cher Saïd Nouroutal. Un deuxième témoignage, sa science religieuse, sa vive intelligence plus que le prestige de son origine, son désintéressement, sa connaissance de l'âme noire, l'idéal élevé qu'il poursuit, les services rendus à la cause musulmane expliquent l'immense influence dont il jouit dans le monde musulman et dans tous les milieux indigènes de l'Afrique. L'accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population de Mopti prouve que ce grand chef est compris et aimé. Ça s'est signé le 14 octobre 1937 à Mopti, signé par Ranou, administrateur maire de Mopti. Tout ça, c'est des témoignages sur Cheikh Elhadji Saïd Nouroutal. Tcherno Saïd Nouroutal, belle et noble figure coloniale, dont les qualités de cœur et d'esprit s'affirment chaque jour davantage dans toute l'Afrique. Qualité mise généreusement au service de la cause française que ce grand marabout sert et défend avec un désintéressement, une abnégation, une conviction au-dessus de tout éloge, vénérable apôtre d'une mission sacrée qu'il tient de sa religion. Tcherno Saïd Nouroutal porte partout la bonne nouvelle, sème les ferments d'union, de concorde, de fraternité, de charité,
de loyauté qu'il puisse à pleine main dans son, qu'il puisse à pleine main dans son cœur généreux, délicat et sensible. J'ai rencontré Thierno Saïd Nouroutar pour la première fois à Mans, en Côte d'Ivoire. Je fus frappé par sa vive intelligence, son regard franc et honnête où reflète une foi ardente, une volonté tenace en même temps qu'une bonté infinie, toute qualité qui classe un homme et l'élève du premier coup sur un plan supérieur parmi les sages. L'action bienfaisante et féconde de Thierno Saïd Nouroutar s'affirme ici à Brazzaville, comme s'est révélée efficace en Côte d'Ivoire. Là-bas, parmi les populations de races différentes, sa parole fut écoutée religieusement, ses conseils suivis, ses préceptes appliqués. Aujourd'hui, dans ce pays qu'il s'apprête à quitter et duquel nous le verrons s'éloigner à regret, il continue de lutter pour la bonne cause, de prêcher les principes d'humanité, de justice, de travail sur lesquels repose l'édifice qui s'appelle une plus grande France et de se consacrer au relèvement matériel, moral et social de tous ses congénères à quelque race qu'ils appartiennent. Descendant distingué de la Géomartale, duquel il a hérité les qualités chevaleresques, Saïd Nouroutar possède au plus haut point le don d'étonner, d'émouvoir, de convaincre, de ravir son auditeur. Son dévouement, sa parole puissante écoutée en font l'un des précieux et grands amis de la France. Signé à Brazzaville le 25 mars 1937 par Cortinchi, administrateur maire de la commune de Brazzaville. Et quatrièmement, certainement enfin, ce grand ami de la France nous a toujours rendu de précieux services auprès des populations qu'il visite, que ce soit des musulmans ou des fétichistes. La bonne parole pour notre cause a toujours été écoutée religieusement par les indigènes. La franchise est aussi grande auprès des Européens que son prestige auprès des indigènes. D'une tenue parfaite, au cours de ses nombreuses tournées, a fait l'aumône et n'a jamais rien reçu des populations qu'il visite. Il donne et ne reçoit pas. Amant, signé Amant le 30 mars 1936. Signé Vasseil, administrateur adjoint, commandant du cercle de Mans. Donc vous voyez, c'est cette ancienne tradition qui a été transmise à Thierno Moundaga Ahmed Tall. Vous n'êtes pas sans savoir tous les gestes que Cheikh Moundaga a fait, notamment pendant les pluies de Hugues qui avaient frappé le Fouta. Vous avez ce qu'il a vu. Et parmi d'autres bonnes œuvres, les offices pour faire régner la paix. Donc je dis que si le Sénégal, on se trouve dans un embarras actuellement, c'est parce qu'on n'a pas suivi nos guides religieux. Parce que vous voyez, Elhadj Saïd Nouroutar, on vous a dit qu'il ne distingue pas les fétichistes et les musulmans. Puisque il faut d'abord approcher les fétichistes pour les ramener à l'islam. Mais si vous n'approchez pas les gens, vous ne les reconnaissez pas, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour les ramener. Bon. Donc le thème de la conférence de cette 44e édition, à savoir les relations entre les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels, quelle dynamique interactive pour le développement durable de la nation, dédié à Thierno Saïd Nouroutar, à Thierno Moundaga Ahmed Tall, a été bien choisi car Thierno Saïd Nouroutar incarne ces trois pouvoirs et a pu les concilier. Saïd Nouroutar incarne ces trois pouvoirs et il a pu les concilier. Comment il a pu les concilier? Écoutons. Thierno Saïd Nouroutar, fils de Nourou, fils de Elhadji Omar, fils de Seydou, fils de Ousmane, fils de Mokhtar, fils de Alpha Amadou Samba à Halwar, Fouta Toro. Thierno Saïd Nouroutar, fils de Aissatou Kamissokhou, fils de Kourumba Makha, Foulatine Samiri, Foulatine Nassi, Foulatine Woua, Dinam Makha, Samberiba, Madidje, Madjal Laboula, Sadigal Amadi, Nyankite, Soukita, Roua Gadougou, Madenke Sekuldou Kita. Toutes ces trois lignées sont régnantes et ont régné du Fouta au Sénégal à l'actuel Nigeria sous domination anglaise. Si les idées de Thierno Saïd Nouroutar avaient été traduites en actes, le Sénégal aurait pu se passer des actes de la décentralisation de 1972, de 1996 et de 2013, car elles contiennent tous les ferments d'un développement durable
et un bien-être pour tous les citoyens. Je vous remercie.